Mình đổ bom cha chủ đề Galma. Laissez-moi chanter à mon patois, pardon. À ma langue maternelle, paternelle. Mindo bamta jude galmada. Mindo bamta jude Galma. Bonjour mon fils, l'architecte romain. C'est vrai qu'au début, dans les années 2012, là, quand je voyais architecte romain, j'avais un peu peur. Je croyais que c'est un architecte dans l'autre sens. Que Dieu te bénisse mon fils, je t'aime beaucoup. Et ta maman t'aime aussi beaucoup. Tu es un enfant fidèle, loyal. Parmi mes fils, tu es l'un de ceux qui me donnent la joie de servir Dieu. Que Dieu te donne la grâce de te conserver pur pour lui, pour son nom. Mindo Bamta Jude. Qui connaît chantant son patois, s'il vous plaît? J'ai une annonce spéciale. Mais avant, d'abord, fais un concours de chant. Tu connais chantant ton patois, tu chantes dans les commentaires. Mindo Bamta Jude. Galma. Jude men Galma. Mindo Bamta Jude. Galma. Mindo bamta jude men, jude men gal Allah. Mindo bamta jude gal ma. Oh hallelujah, murazo men. To mindo nyawa anon, to nyawunda men. Une grande annonce tout à l'heure après le chant. Domin ma di la ol a do war tiramen. Oh hallelujah. Min do pam ta jude. Min do pam ta jude men. Min do pam ta jude. Galma. Voilà, le chant est fini. Toi aussi chante en ton patois, c'est ton tour maintenant. Si tu ne chantes pas en ton patois, ça veut dire que toi tu es éliminé. Voilà. Devons promouvoir nos cultures, notre culture. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce dimanche 28 février, Dieu qui m'a appelé. Dieu qui depuis ces années a été fidèle. Dieu qui m'a aidé dans ma détresse. Dieu qui s'est souvenu de moi au jour difficile. Dieu qui a déchiré le filet de l'oiseleur à chaque fois qu'il a voulu m'emporter dans son filet. Ce Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit, lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Ce Dieu me demande de parler à quelqu'un ce matin, ce dimanche 28 février. Dimanche 28 février, nous aurons deux grands services. En raison du retour du COVID-19, la recrudescence du COVID-19 au Cameroun et dans le monde, parce qu'il paraît qu'il y a une mutation au niveau de ce virus, nous devons être prudents. Donc je voudrais vous dire que dimanche, le 28 février, ce dimanche, nous aurons deux grands cultes. Nous aurons deux grands cultes. Deux grands cultes. Premier culte, 8h-10h30. Deuxième culte, 10h30. 13h. À 8h, la salle sera fermée pour le premier culte. S'il te plaît, ne manque pas ce service d'Oint. Avec consécration familiale, nous allons prier avec lieu de faveur tel que nous n'en avons jamais fait dans ce ministère. C'est un culte de récupération. Seigneur, souviens-toi de moi. Tout domaine de ta vie où tu as l'impression que Dieu t'a oublié, Dieu se souviendra de toi. Nous allons prier, on va déchirer le ciel. Ce dimanche 28 février, je vous dis la vérité. On aura deux grands cultes. Normalement, ça aurait été trois grands cultes, mais on verra. Nous verrons. Ça veut dire que si on fait deuxième jusqu'aux deux cultes, si ça ne suffit pas, on va aller au troisième culte. Ça, il n'y a pas de problème. Et je suis convaincu qu'on fera au moins trois cultes ce dimanche. Ça sera au moins trois cultes. S'il te plaît, rassure-toi. Voici comment les choses vont se passer. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dès que vous arrivez,
8 heures, on ferme la salle. On vous distribue vos bouteilles d'eau ointe. On distribue les bouteilles d'eau ointe. Voilà, chacun, chaque famille a sa bouteille d'huile de faveur. On va faire le culte. On finit. L'autre vague est entrée. Nous faisons la même chose. Quand elle finit, la troisième vague est entrée. Il n'y a pas de problème. Même s'il faut que je fasse culte jusqu'à 18h, 20h, nous le ferons. Dans tous les cas, nous sommes décidés sur une nouvelle dispensation pour ceux qui sont spirituels. Ils comprennent que les choses ont changé dans les règnes spirituels, dans les dimensions spirituelles, dans le nom de Jésus-Christ. Donc ne manquez pas. Tous les malades, je prendrai soin de vous. La prophétie sera, ça dit qu'on va prophétiser dans une nouvelle façon. Vous allez découvrir une autre manière de prophétiser. Dans tous les cas, nous servons Dieu, mais différemment, parce que nous sommes dans une autre dispensation. Donc s'il vous plaît, les mesures barrières seront respectées. Les mesures barrières doivent être respectées. Que chacun vienne avec son masque. Je vous en conjure, par Jésus-Christ qui nous a appelés. Ne laisse pas ton masque, viens avec ton masque. Pardon, viens avec ton masque. Les distanciations seront respectées. Nous voulons travailler parce que l'Église aussi, vous savez, doit aider l'État dans sa lutte pour la préservation de la population. Donc, s'il te plaît, viens avec ton masque. Je sais que nous avons perdu cette bonne habitude-là. Pour le moment, venons avec nos masques. S'il vous plaît, dimanche, viens avec ton masque et puis il y aura la séparation, la distanciation pour respecter les mesures barrières contre le COVID-19. Il y aura de l'eau et du savon pour laver les mains avant d'entrer dans la salle. Donc, s'il te plaît, viens et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Mais ce dimanche, pardon, pardon, I beg, please. C'est parce que je suis dans la voiture, sinon je mettais même d'abord à genoux. Il faut qu'il gage, je mets à genoux en roue là pour te supplier. Pardon, ne manque pas ce culte. Pardon, ne manque pas. Je parle comme un prophète. Je parle comme ayant vu ce que Dieu a pour toi. Le diable essaiera de te combattre. Le diable va te convaincre de ne pas venir. Le diable va tout faire pour te dire non, tu es fatigué. Non, tu as affaire. Tu iras dimanche prochain. Non, écoute, tu vas te rattraper plus tard. Si tu manques ce dimanche, tu ne pourras pas te rattraper. Tu ne peux pas te rattraper. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te rattraper. La Bible dit au jour favorable, j'étais visité, mais vous ne l'avez pas su. Le jour favorable, lorsqu'il passe, il faut attendre une autre saison. Entre-temps, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Donc, mon frère et ma soeur, s'il te plaît, c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Si je ne t'aimais pas, je ne te le dirais pas. Vous voyez, la Bible parle du royaume des cieux. Jésus dit que le royaume des cieux est comme quelqu'un qui allait voir un trésor. Le gars n'a dit à personne. Il allait vendre tout ce qu'il possédait pour venir acheter le champ. Mais moi, au lieu d'être égocentrique comme ce monsieur, moi j'ai vu un trésor. Je viens, je t'appelle. J'ai dit mon frère, ma soeur, j'ai découvert un champ. Il y a un trésor dedans. Je ne veux pas gagner seul. Je veux que toi aussi tu viennes profiter de ce trésor. Et je t'appelle et je te fais une annonce. Je suis dans la voiture. Ça, je ne vois même pas que je suis dans la voiture. Je prends l'annonce, le risque, dans la voiture, je fais l'annonce. Je t'invite. Je dis, mon frère, viens, dimanche 28 février, ne manque pas. Ma soeur, viens, dimanche 28 février, ne manque pas. On a un culte familial. Dieu a dit qu'il va te bénir. Il y a quelque chose que Dieu m'a montré pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille. Dieu m'a dit, dis-lui, viens. J'ai vu le trésor, toi tu n'as pas vu. Je viens et je fais l'annonce. Je te dis, mon frère, ma soeur, viens. Si tu ne viens pas, tu es l'ennemi de ta propre vie. Tu ne viens pas, ne m'accuse pas et n'accuse pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité t'a été donnée. Ne fais pas comme les Juifs. Ils ont crié. Dieu a envoyé Jésus. Ils l'ont crucifié. S'il te plaît, ils n'ont pas discerné le don de Dieu pour leur vie. Cette saison est différente. Et je prie que Dieu fasse tomber les écailles de vos yeux pour comprendre ce mystère qui est simple. Je ne sais pas comment parler. S'il faut la calculatrice, et je vais parler dans mon patois pour que tu comprennes, mais je sais que nul n'est besoin de tout ceci. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre que la main de Dieu est sur nous, sur le Cameroun, pour cette nouvelle saison. Que Dieu te bénisse. Dimanche, 8h, la salle est fermée. Donc, quitte tôt de chez toi. Fais ton premier culte. 10h30, tu pars chez toi. Nous, on reste. On est des guerriers, on reste. On fait encore 10h30, 13h. Si ce n'est pas fini, on continue. 13h, 15h30. Même si c'est à 1h du matin, on va finir. Mais, s'il te plaît, s'il te plaît, ou chéni mitorima, mitoriala, tata mankusam, please, in the name of Jesus, please, don't miss this Sunday. There is a sign that God wants to put upon your life. There is a sign, not only that He will put a sign upon your life, but you will become a sign for your family and for this generation. So, please, come, don't miss. Please,
Don't miss for any reason on this earth. Don't miss because the Lord has chosen you like the Joseph of your family to bring a huge deliverance into your family through your hands. I love you. I love you so much and bless you. I'm waiting for you. Do re number to Allah ho diri kadi. Do re number Allah do a partir de 8h tata manku. Allah wan nama baraka kadi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Les directs de 10h la semaine si on est en guerre, s'il vous plaît, on est dans la guerre. Donc, je vais tricher avec des petits directs comme ceci-là. Et tu es béni, ça va, tu mets la main sur la tête. Dieu te bénit, renverse les forteresses de ta vie et tu avances au nom de Jésus. Amen.